Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples : Es-tu celui qui doit venir ? Où devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit : Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Tandis que les envoyés des gens se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos des gens : Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir ? Un homme aux vêtements luxueux ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, le troisième dimanche de l'Avent nous rapproche des joies de Noël. La tradition catholique l'appelle le dimanche Gaudete. Gaudete, qui signifie « Réjouissez-vous », montre l'humeur avec laquelle l'Église mère anticipe la venue du Rédempteur. L'Évangile d'aujourd'hui évoque une grande réflexion sur ce en quoi consiste la vraie grandeur. Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, quelque chose d'assez curieux et ironique se produit. Alors que Jean, le célèbre précurseur du Messie, semble avoir des doutes sur le Messie. Le Messie est celui qui témoigne des gens. Jean-Baptiste
était maintenant en prison pour avoir condamné Hérode, le tétrarque, qui avait pris la femme de son frère Philippe, Hérodiade, comme Matthieu le relaterait plus tard au chapitre 14 de l'Évangile. Il envoya un mot à Jésus, disant, « Es-tu celui qui doit venir, ou sommes-nous en attendre un autre ?» Voilà le doute de Jean-Baptiste sur le Messie. C'est assez ironique, chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui a poussé Jean le Baptiste à poser une question aussi douteuse? Jean-Baptiste est venu témoigner du Messie, comme les autres Juifs, bien sûr. Il avait ses attentes quant à ce que devrait être le Messie. Jean était ascétique et respirait la fureur contre les péchés et les pécheurs. Il a probablement anticipé un Messie dont la grandeur submergerait Hérode et tous les dirigeants mondiaux, qui débarrasseraient rapidement le monde du mal. Cependant, le comportement de Jésus était plutôt déroutant. Il était doux avec les pécheurs et mangeait avec les collecteurs d'impôts. Alors que Jean était en prison à cause de l'Évangile, Jésus ne montrait pas encore des signes de rachat de lui ou de qui que ce soit d'ailleurs. Ainsi, dépassé par ses tribulations, Jean a dû se demander, « Es-tu vraiment le Messie qui doit venir ?» Lorsque la question a été posée à Jésus, il n'a pas donné de réponse directe. Il a renvoyé Jean à la prophétie messianique, parce que Isaïe avait déjà prophétisé celui qui devrait venir, le Messie, dans le chapitre 61 d'Isaïe, au premier verset. Il dit, « Va dire à Jean ce que tu entends et vois. Les aveugles voient, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Voilà le signe du Messie dans la prophétie d'Isaïe. Donc Jésus n'avait pas dit « c'est moi qui devrais venir, oui c'est moi ». Non, il n'a pas répondu directement. Il a pris ce que Isaïe avait écrit dans le passé. Et Jésus dut ajouter « et bienheureux celui qui ne s'offusque pas de moi ». Quelle était l'importance de cet ajout? Jésus a dû sentir la déception et la frustration de Jean le Baptiste. Et il voulait donc qu'il suive et reste guidé. Cependant, lorsque les gens sont partis,
Jésus, maintenant, a commencé son témoignage complet des gens, s'adressant à la foule qui avait trouvé du secours en Jésus après l'emprisonnement des gens. Jésus leur révéla la valeur des gens. Il n'avait pas de mirage terrestre, mais pendant qu'il était dans le désert, il attira des gens à lui, des foules à lui-même, dans le désert. Il avait quelque chose que les trésors terrestres et le glamour ne pouvaient pas offrir. Il a eu la bonne nouvelle. Il n'était pas seulement un prophète, mais le précurseur direct du Messie. Vous voyez que Jean le Baptiste, selon Jésus, est le plus grand des hommes nés des femmes. Parce qu'il est situé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En fait, Jean le Baptiste, c'est le dernier prophète de la Bible. Il n'y aura plus d'autre. C'est lui, le dernier prophète entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que c'est lui qui devrait préparer, il devrait être le précurseur du Rédempteur, du Messie, du Jésus même. Il n'était pas seulement un grand homme, mais parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. C'est la parole de Jésus lui-même. Cependant, il était encore moins que le moindre dans le royaume des cieux. Alors, ce témoignage de Jésus au sujet de Jean le montre fidèle à sa promesse. Quiconque me reconnaît devant les hommes, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32. Jean a témoigné de Jésus. Donc, Jésus témoigne de Jean. Alors que Jean était encore en prison, Jésus les béatifiait devant les hommes. La reconnaissance finale est au paradis. Jésus témoigne à tous ceux qui lui témoigneraient de leur vie en présence des hommes. Si nous témoignerons Jésus, Jésus va témoigner pour nous devant son Père. Dans notre monde, chers frères et sœurs, d'aujourd'hui, les vraies valeurs ont été échangées contre les choses sans valeur, tant dans les églises que dans la société. Les personnes de faible moralité reçoivent des prix, des mérites et sont honorées simplement parce qu'elles sont riches. Parfois, il semble que le mal soit récompensé alors que la justice apporte le mépris. En tant que chrétiens, nous devons tirer nos valeurs de Jésus comme le montre l'Évangile d'aujourd'hui. Dans Jean-Baptiste, Jésus affirme que le mirage terrestre n'est pas ce qui fait la grandeur. Jean-Baptiste était le plus grand de tous nés des femmes, mais n'avait pas de vêtements, mais des peaux d'animaux. Pas de nourriture, mais des sauterelles. Pas de maison, et était en effet en prison. Pourtant, Jésus l'a classé le plus grand parmi les hommes.
Par conséquent, peu importe ce que nous avons et quelle que soit la position que nous occupons, notre valeur nette ne peut être comparée qu'à une relation fidèle avec Dieu. Deuxièmement, nous sommes assurés de la fidélité de Dieu. Quelle que soit notre situation sur terre, Dieu connaît toujours notre valeur. Nous sommes encouragés à faire preuve de patience, comme nous le voyons dans la deuxième lecture tirée de Saint Jacques. Nous ne devrions avoir recours qu'à Dieu, qui est au courant de tout et qui garde la récompense de toute bonne œuvre. Chers frères et sœurs, que ces paroles soient bénies dans nos cœurs alors que nous cherchons à reposer notre valeur en Dieu par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.